ma vidéo est terminée. Toujours yo, yo, avec des mots puissants. Clap for a nigga with his rapping ass. Blow a stack for your niggas with your trapping ass. Clap for a nigga with. Coucou mes chants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de Quoi de neuf dans mes nouveautés. Mais on va se centrer uniquement sur les lèvres parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai acheté plein de rouges à lèvres récemment ou il y a un petit moment déjà et des rouges à lèvres que je ne vous ai pas forcément montré. Donc la première partie de la vidéo, je l'ai effacée parce que j'aime pas du tout mon teint. Je testais des nouveautés et là, je vois la caméra, j'aime pas du tout. Mais comme là, je swatchais des rouges à lèvres et que j'avais la flemme de recommencer, donc du coup, je la laisse quand même et je refilmerai l'autre vidéo ultérieurement. Voilà mes bichons. Que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit je vais tout regrouper là-dedans et comme ça au moins ça vous fera une vidéo complète sur mes rouges à lèvres chouchous du moment et des nouveautés que j'ai pas testées aussi, attention, parce qu'il y a du L'Oréal et Balmain, je les ai toujours pas testés et j'attendais les tester avec vous en caméra. Mais sinon les autres rouges à lèvres j'ai soit déjà testé ou soit je sais que je vais déjà les aimer. Bref, du coup je vais tous les swatcher sur mes lèvres, comme ça au moins vous aurez le rendu, parce que moi personnellement quand je regarde des vidéos j'aime bien avoir des swatchs, parce que les swatchs sur le bras c'est bien mais ce ne sont pas les lèvres, et voir les swatchs sur quelqu'un qui a à peu près le même type de peau que moi, je trouve ça génial, comme ça je peux au moins voir, tu vois, comment ça rend et tout. Donc voilà, donc pour rien que pour ça tu dois me mettre un petit pouce vers les hauts, hein, vers les hauts, tu vois, vers le haut. Tu dois t'abonner, rejoindre la bichonnerie, hein, donc voilà, tout est en barre d'infos. Et puis, comme il y a énormément de rouge à lèvres, je regarde par là parce qu'ils me regardent tous là, on va commencer. On commence tout de suite par ce rouge à lèvres de chez Dose of Color. Dose of Color a sorti des nouveaux rouges à lèvres qui sont les Lip It Up, les Satin Lipstick, que je trouve magnifiques, dont on ne parle pas assez, donc voire même pas du tout, donc voilà. Le rouge à lèvres se présente comme ceci, packaging super joli, donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, rose gold avec un embout comme ça, et magnifique, texture crémeuse, satin qui tient bien, qui tient pas autant qu'un rouge à lèvres mat, c'est un fait, mais qui est hyper confortable, une couleur assez pigmentée quand même, donc ce marron là fudge est juste magnifique, donc voilà. Top. Ensuite un nouveau rouge à lèvres de chez Too Faced qui sont les Melted Latex, pareil, j'ai vu des revues mitigées là-dessus, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, moi j'ai vraiment bien aimé, je trouve pas la texture collante, je la trouve agréable, je la trouve bien opaque, voilà, après c'est un rouge à lèvres vinyle, lac, donc c'est sûr que voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez épais, c'est un fait. Mais moi je trouve, la texture top. J'ai pris la couleur Strange World, qui est cette couleur un peu comme d'hab quoi. Tu vois les couleurs que j'aime quoi. Bref. Voilà. Et j'ai même pas eu besoin de retremper mon applicateur. Je suis fan. Elle est pas trop jolie cette couleur. Donc après. Je veux vraiment encore un peu plus d'opacité, mais non. Mais en une seule, avec une seule application, franchement, j'adore. Je suis fan. Moi, je le trouve. Regardez comment c'est lumineux. J'adore la couleur. Un autre produit chouchou du moment, c'est un gloss de chez Jouer Cosmétiques. Vous savez que j'aime la marque Jouer Cosmétiques. Ils ont sorti leur. Enfin, elle a sorti, puisque c'est une femme qui l'a, ça. C'est gloss. Comment ils appellent ça? Eye Pigment Gloss. Et j'avoue, les gloss sont pigmentés, opaques de fou. Donc là, pour le coup, c'est un gloss. Mais oh, elle a un gloss nude comme j'aime. Je l'ai porté pas mal celui-là aussi. Oh là là. Quand tu sais pas quoi mettre, le nude, c'est parfait. Hein. C'est juste parfait. On reste dans les gloss un peu nude. Mais là, pour le coup, vraiment très nude. C'est un vinyle lip laker de chez Julicious. J'adore ces vinyles lip laker. J'en ai deux déjà. Que j'aime énormément, et je m'en étais racheté un pendant la NHA en couleur Honey. Et alors moi je trouve que c'est plus un gloss qu'un vinyle lip laker. Par exemple la formule de chez Too Faced est quand même un peu plus opaque, mais j'adore la formule de celle-ci. Et celui-ci c'est vraiment un nude, nude quoi. Donc du coup bon, on peut mettre un crayon avec, mais j'adore, c'est hyper léger sur la peau. Ah, je suis fan. J'aime bien l'odeur en plus. Donc c'est la couleur Honey, comme je vous ai peut-être dit. Et voilà. Ça, c'est vraiment le gloss nude par excellence. Ça va juste donner un petit peu de couleur sur les lèvres parce qu'il est vachement clair. Hein. Mais
Je sais pas, j'adore. Je sais pas, j'aime bien. Les autres couleurs sont vraiment jolies, jolies. J'ai la couleur forme de bout aussi que j'aime beaucoup. On continue dans les nudes et un rouge à lèvres que j'ai acheté il y a un bon moment déjà. Mais... que j'ai acheté il y a un bon moment déjà. C'est le lip crème, c'est ça je crois. Le Marc Liquid Lip crème rouge à lèvres liquide de chez Marc Jacob. En teinte Hot Cocoa. J'adore. Alors la formule de ce truc est géniale. C'est pas le mat hyper mat, mat de la mort qui tue. Mais oh là là, la formule de ce truc. Oh, c'est un fini un peu velvet et en même temps mat et en même temps satiné. Oh, je suis fan. Donc celui-ci, je le porte avec un crayon par contre. Parce que tout seul comme ça, je suis moins fan. Crayon genre le crayon de chez Mac, oui, entre Marc, bref, mais oh, je suis fan. Oh là là, oh, sincèrement, c'est des rouges à lèvres qui coûtent vraiment cher, j'avoue, mais alors là, le confort sur les lèvres, c'est juste une tuerie. Je suis fan et ils tiennent bien, ils sont confortables, ça fait pas de petites stries comme ça, une tuerie. Alors on continue dans les rouges à lèvres nude, voilà, parce que je commence du plus foncé, du plus clair au plus foncé. Et je pense aussi que vous n'habitez pas dans une grotte si vous n'êtes pas soigné de make-up. Nicki Minaj a ressorti, je dis ressorti puisqu'elle avait sorti déjà une première collection avec MAC, Viva Glam, qui récolte des fonds, tous les fonds récoltés lors des achats de ces rouges à lèvres sont reversés à l'association contre le sida. Bref, et du coup, là, elle a sorti une collection à part qui est, je crois, Nicki's Nude, je sais plus, quelque chose comme ça. J'avais swatché en boutique, effectivement, les couleurs me plaisaient pas trop, mais du coup, je suis quand même repartie et j'ai trouvé une petite couleur qui me plaisait bien. La couleur s'appelle Derrière. Voilà, voilà. Et qui est encore un nude marronné. Wouhou, ouais, pour changer. Voilà, donc c'est un mat, hein, parce qu'elle a sorti des frosts, des amplified, enfin toutes sortes de textures chez MAC. Mais moi, les mats de chez MAC, j'adore, les frosts aussi. Enfin, moi, je les aime tous. Mais bon, cette couleur-là me plaisait. Et c'est vraiment un nude marronné. Du coup, ça fait vraiment nude-nude. Hein, mais voilà, moi, je kiffe. Alors, bien sûr, vous allez dire que ça fait ton sur ton, mais je kiffe. Voilà, je kiffe. Alors après, peut-être voilà, avoir un maquillage des yeux assez prononcé, un peu plus de blush, etc. Mais voilà, ça c'est le genre de rouge à lèvres que je vais mettre quand je sais pas quoi mettre. C'est voilà, c'est mon go-to. J'adore. En plus, j'adore les mats de chez MAC. Oui, bref, on va y arriver. Mais magnifique. Ouais. Ensuite, on passe au rouge à lèvres de chez Balmain. J'ai l'impression que ça a fait un flop, je sais pas, mais j'en entends pas du tout, mais du tout parler. Donc vous le savez, L'Oréal a sorti sa collaboration de rouge à lèvres avec Balmain, du coup je m'en suis pris 3. Mais je m'attendais, en fait, quand je les ai reçus, j'étais un peu déçue, je les ai pas encore swatchés. Hein. J'étais un peu déçue parce que je pensais que c'était une autre texture que les mats color rich, enfin, que les color rich mats de chez L'Oréal, quoi, les trucs que je mettais quand j'avais 15 ans. Donc quand j'ai ouvert le paquet, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de rouge à lèvres L'Oréal. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, ah, ça sent trop les rouges à lèvres que j'achetais des fois même au marché, tu sais. Enfin voilà, les rouges à lèvres L'Oréal, quoi. Et bon, je me suis dit, allez, tu vas tester, on va voir. Et j'étais aussi un petit peu déçue des packagings. Les packagings sont beaux, mais c'est des packagings qui vont pas faire long feu. Déjà, ça commence un peu à se rayer. Enfin, je ferai des close-up, ça se raye un peu ici. Enfin voilà, après... L'avantage c'est qu'ils n'ont pas augmenté les prix, donc ça va, et j'aurais payé le truc 25 balles, je t'aurais dit par contre là Olivier, faut qu'on parle toi et moi, tu vois. Mais là c'est resté à 16,90, donc ça va, ça va. Alors on va prendre la première couleur qui est la couleur Instinct, je crois, oui ça doit être ça, Instinct, qui est ce olive, magnifique, magnifique. J'aurais peut-être une surprise à l'application, hein. C'était juste mon ressenti en swatchant, mais voilà, mais cette couleur. Waouh. Oh. Waouh. Waouh. Ah non, j'adore. Oh, j'adore. Oh, je savais que j'allais kiffer. Oh, magnifique. Par contre, c'est vrai, c'est pas le rouge à lèvres le plus pigmenté du monde, donc il faut repasser, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Il est pas trop beau? Oh, j'adore. Vert caca doigt comme ça. J'adore, je suis fan. Ah oh, ouais. Mm-hmm. Ah, je suis fan. Là, tu vois, je regrette pas. Le seul truc que je lui reproche, c'est la pigmentation. Là, j'ai repassé, j'ai pincé mes lèvres. Et j'ai l'impression que ça s'en va un peu ici, tu vois. Mais c'est pas grave. J'adore. Non, la couleur, je suis fan. La couleur est magnifique. Franchement, la formule serait différente. Il serait parfait. Alors ensuite, je vais prendre la couleur Libération. Voilà, packaging noir comme ça. Donc je crois qu'il y a plusieurs thèmes dans les rouges à lèvres, mais bon, on s'en fout. Et c'est ce violet, pareil, qui avait l'air magnifique à tomber. L'avantage sur le site de L'Oréal, c'est qu'ils avaient fait plusieurs swatchs sur différents types de peau. Donc il y avait en gros blanc, moyen, noir, médium. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Blanc, moyen, médium, ça fait un peu bizarre. Tu as compris. Donc du coup, on pouvait voir un peu ce que ça donnait sur une peau foncée. Et ce violet-là avait l'air terrible. Ce sont des mats crémeux. Oh, la couleur, les gars. Oh! Waouh! Ok! Ok, kéké! Et la couleur. Waouh! Fan, je suis vraiment fan. Donc, j'allais mettre lumineux, en fait. Non, j'attends. Ok, le dernier que je me suis pris dans la collection Balmain et L'Oréal, c'est la couleur Rébellion, ce bleu. Alors là, celui-là, il a intérêt à pas me décevoir parce que vous savez que j'aime les couleurs cheloues. Et pareil, celui-là, il était très prometteur, donc c'est parti. Bon, bref, je suis désolée, là, les swatchs, ça ressemble un peu à tout et n'importe quoi. Mais bon, vous voyez un peu la couleur et je suis fan. Ah, je suis fan. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Non, mais waouh. C'est vraiment agréable sur les lèvres quand même, il n'y a pas à dire. On va pas se mentir. Mais waouh, wow. Les couleurs sont super jolies, moi je kiffe. Je suis fan. Je vous le répète, mais t'as compris ou pas? Je suis fan. Je suis fan. Ensuite, toujours, bah oui, on est toujours côté rouge à lèvres puisque c'est une vidéo basée sur les rouges à lèvres. NARS a sorti ses liquid matte aussi, donc ce sont les power matte, c'est ça, lip pigment et la teinte c'est Under My Thumb. Oh! Réel coup de cœur, réel coup de cœur. Le truc coûte 26 balles je crois. Mais alors, pareil, confort sur les lèvres, pigmentation. C'est pas un mat ultra desséchant comme ça. L'applicateur est super. Il est tout fin comme ça. Mais du coup pour tracer sur les lèvres c'est bien. Enfin l'appréhension, tout est bien. Tout est bien. Oh là là, le truc, voilà. Le truc est d'une opacité, d'une qualité, d'une pigmentation de fou. Je suis bluffée. Encore une fois, pardonnez les swatchs, je commence à fatiguer. Oh, puis cette couleur, elle est pas magnifique. Elle est à tomber. Limite, j'ai même envie de manger mes propres lèvres. Tellement elles sont belles. Franchement, c'est top. Et puis le packaging est super joli. Donc après, ne vous fiez pas forcément. Parce que comme c'est un peu en j'allais dire frost, tu vois, bah, il fait glacé comme ça. Du coup, voilà. Mais magnifique. Magnifique. Ah, je suis fan. Dans le même genre de couleur, mais pareil, une formulation aussi de fou. J'en ai parlé dans mes favoris du mois d'août. Ce sont les quoi? Les Artist Liquid Matte de chez Makeup Forever. Je pense qu'avec le NARS, ils sont à égalité pour les rouges à lèvres de l'année. Franchement, de la bombe, confort, pigmentation, opacité, tenue. Ils ont vraiment tout bon, vraiment, vraiment tout bon. Si je devais faire une comparaison avec le NARS, il est peut-être légèrement plus liquide celui-là. Légèrement. Légèrement plus liquide, mais tout aussi bien. Il va prendre un peu plus de temps à sécher. C'est tout ce que je dirais, mais pareil. Pff. Tu vois ou pas? Non, mais franchement. Un autre rouge à lèvres aussi que j'aime porter, que je me suis pris il y a un petit moment déjà quand même, ce sont... les rouges à lèvres encore de Kylie, voilà, j'adore ces rouges à lèvres, même s'ils sont quand même assez mat, mais pas autant mat que ceux de chez Colourpop, je les aime beaucoup. Et du coup, elle avait sorti sa collection pour son anniversaire et je m'étais pris la couleur 20, couleur magnifique. Je m'étais pris aussi des mini comme ceci, donc j'en ai 5 je crois, je vous les swatcherai et top, top, top. Mais cette couleur-là, parfaite, encore une sorte de rose nude mauve pour tous les jours. Oh, ils sont toujours aussi bons ces rouges à lèvres. Donc vous voyez, eux ils sèchent deux fois plus vite.
ils sont très mat, hein, donc voilà, c'est pas le même confort que les Make Up For Ever et tout, mais ils restent confortables si vous vous exfoliez bien vos lèvres et que vous mettez une bonne base à lèvres en dessous. J'adore, même avec un petit trait de crayon, faire un ombre ellipse ou même comme ça. J'adore. Des rouges à lèvres de la marque Real B Cosmetics, rouges à lèvres dont on ne parle pas assez, ils sont vraiment vraiment top. Je les ai reçus de la part du site, mais comme d'habitude je vous donne mon avis honnête, hein, ça change pas. Et franchement, je vous en avais parlé sur Snap, donc merci encore la team. Franchement, j'adore ces rouges à lèvres. Là c'était la collection Cuba Libre il me semble, donc ce sont des rouges à lèvres créés par la youtubeuse Cindelish que je ne suivais pas. Voilà, quand j'ai vu les swatchs de rouge à lèvres, je crois que c'était sur Instagram, j'ai kiffé. Et ce sont vraiment des rouges à lèvres top, sincèrement. Pareil niveau tenue, confort, ils sont vraiment bien, les couleurs, j'adore. Mon team chelou, on se sait. Je vais vous en swatcher un, je vais swatcher le rouge, on va dire le plus portable, hein, des trois, pour que vous puissiez quand même vous rendre compte. Mais magnifique, j'adore le packaging aussi. La qualité du truc, oh, magique. Oh là 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 là, je suis fan. Putain, j'arrête pas de me répéter, mais oh, encore une fois, esquisser l'application, hein. Et même dans les dents. Bref, mais regardez-moi ça, on va attendre. Enfin, le dernier rouge à lèvres, et non pas des moindres, c'est le rouge à lèvres de Dose of Color, de la collaboration de Katie and Daisy, la couleur Savage, et c'est une couleur que j'ai beaucoup portée, et j'ai eu beaucoup de compliments, donc merci. Cette couleur est magnifique, et encore une fois, la collection revient le 24 septembre, donc sincèrement, si vous avez kiffé la couleur, allez-y, foncez, les rouges à lèvres de Dose of Color sont top. Niveau confort, niveau tenue, niveau qualité, niveau opacité, bref, pigmentation, c'est de la bombe balle. J'ai fait un remix les gars, ça y est, je suis fatiguée là, d'avoir swatché je ne sais combien de rouges à lèvres. Donc voilà, voilà mes bichons, ma vidéo est terminée. J'espère que ce genre de nouveau concept vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez d'autres swatchs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je ne vous les ferai pas ici, je vous les ferai sur Snapchat avec plaisir, il n'y a pas de souci. Bah pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi, car comme je dis, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres. Et en attendant une prochaine vidéo, ça fait beaucoup de vidéos comme d'habitude, mais vous savez déjà, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, je vous aime, je vous dis à bientôt, bye.